Bonjour, voici une histoire qui aurait pu finir bien plus mal pour Jip le berger belge de 2 ans et Jack le berger allemand de 10 ans. Ces deux pauvres toutous ont été retrouvés par les pompiers à Villeneuve-Loubet dans une voiture. Ils étaient très déshydratés et mal en point. Ils avaient un collier d'étranglement et anti-aboiement. Ils ont été confiés au refuge de la SPACA, Sauvetage Protection Animaux Côte d'Azur. Le dépôt de plainte pour maltraitance contre la propriétaire a été déposé. La mise en sécurité peut prendre 1 an, un temps précieux pour que Jip et Jack se refassent une santé. Tout comme pour les humains, il faut surveiller régulièrement l'hygiène buccale de son chien. La marque Petcare vous propose cette brosse à dents et ce dentifrice pour laver de façon quotidienne les dents de votre chien. Approuvé par les vétérinaires, le dentifrice renforce les dents et tonifie les gencives. De plus, votre chien pourra même l'avaler s'il ne fait pas attention, sans risque de s'intoxiquer car le dentifrice est complètement inoffensif. Le saviez-vous? Quand on dit qu'un chien est un bâtard, c'est qu'il a 2 parents de races différentes. Aujourd'hui dans l'agenda se tient l'exposition nationale de Langon Saint-Macaire organisée par l'association canine territoriale de la Gironde. Tout de suite, le zapping buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chien sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à wamis.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À bientôt !